Let's go. Pepperoni. Paradise. Donc voici le maillot de la marque Billabong. Donc c'est le modèle Adiv High Neck pour le haut et pour le bas Adiv Boy Short. Donc avec un design très fleuri, ce maillot a une coupe un peu différente des autres qu'on a essayé. Le haut, c'est une sorte de brassière, le but étant d'assurer un maintien optimal pour la poitrine, avec ici un retour dans le dos assez efficace à mon sens. Pour la partie du bas, c'est comme une sorte de petit short, c'est assez efficace parce que du coup ça tombe absolument pas, et on a une grosse élastique ici qui vient au-dessus du nombril, qui permet de resserrer et de ne pas perdre son maillot quand on surfe, donc c'est super positif. Ce qu'on peut aussi noter sur ce maillot là, c'est que mine de rien par rapport aux autres, il y a pas mal de tissu. C'est bête, mais ça permet aussi de se protéger du soleil, tout simplement. Et petit point positif également sur ce maillot aussi, c'est qu'il est fabriqué à base de fibres éco-nil. C'est en fait du nylon qui peut être recyclé indéfiniment. Donc on va aller surfer pour le tester. Let's go. Je viens de sortir de l'eau, j'ai pris quelques petites vagues avec ce maillot Billabong. Rien à dire du point de vue du maintien qui est impeccable. Le haut avec cette forme de brassière, ça bouge absolument pas. Le bas, ça bouge absolument pas non plus. Donc on sent que c'est un maillot qui a été étudié pour surfer. Donc ça, c'est super positif. Donc je vais attribuer la note maximale de 5 sur 5 pour ce maillot concernant le maintien. Ensuite, pour le style, je vais lui attribuer la note de 4. Pour le prix, avec un prix à 109,95€, le haut et le bas, je vais lui attribuer la note de 3, parce que je trouve que c'est un petit peu cher pour l'ensemble. Et pour le confort, je vais lui attribuer la note maximale de 5. Let's go.